Coucou. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, on espère que vous allez bien. En ce beau samedi ensoleillé sur la plage mexicaine. Ben oui. Alors, ben c'est sûr, on espère que vous n'avez pas trop de mauvais temps, pas trop de neige. Hein? Ouais. Le froid est passé, je pense, au Québec. Là, ça ben, est, c'est un petit peu plus doux. Je pense qu'ils ont eu pas mal. Hein? Oui. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos 14 questions. Ben oui, 14 comme 14 février. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du 14 février? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, mais qu'est-ce qu'il pense? C'est la fête de l'amour. Ben oui. Malgré que l'amour, c'est toujours là, mais spécifique le 14 février. Et aujourd'hui, on a un spécial qu'on a commencé à faire pour eux, pour le 14 février. Oui, aujourd'hui commence le spécial Saint-Valentin, donc le rabais sur tout notre catalogue de cours de moins 50 %. Mm-hmm. Vous avez dû recevoir des emails. Oui. Sinon, je vous mets un lien sous la vidéo ici pour vous rendre directement sur le catalogue avec le rabais de moins 50 %. Oui. Si vous n'avez pas encore choisi votre cadeau à votre dulciné ou à votre dulciné... Ben, non, un ou l'autre. Oui, c'est ça. Non, mais le mieux, là, c'est faites-vous faire un cadeau. Ben oui. Vous dites, bon, ben chérie, j'envoie ce cours-là, là. Faites... Il est en spécial à 50 % de rabais, puis ça vaut la peine. Faites-vous offrir. Hein? Oh, moi, ouais. J'aime ça me faire offrir des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux encore? Encore, qu'est-ce que je voudrais bien encore? Je sais pas, je pense que j'ai pas mal tout. Hein? Oui. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'amour, hein? Ça suffit. C'est ça. La santé. La santé, c'est ça, l'amour, la santé, c'est ça qu'il faut dans tout le monde. C'est le nez qui me démange, je sais pas pourquoi, là. Ah, ça, par chez nous, on dit t'embrasser un fou, non, une folle pour contenter le fou. Ah, OK. Ben, chez nous, on dit qu'il y a quelqu'un qui veut t'embrasser, c'est ça, qui pense à t'embrasser. Là, c'est Valentin. Bon. Voilà. Avant, hein, à l'avance. Oui, ben c'est ça. Fait qu'on va commencer avec 14 belles questions. Oui. On va commencer par... Excuse-moi. Et à la fin de la vidéo... Ah, ouais. Donc, il va y avoir un speed painting. Ah. Alors, très speed. Très speed, mais quand même, c'est une peinture qui a duré une heure à peu près, à faire 1h20. Et là, j'ai condensé ça quand même en 7 minutes parce que c'est trop rapide, vous ne voyez rien. Donc, je l'ai mis en 7 minutes. Oui, vous allez voir ça, c'est une surprise à la fin de la vidéo. C'est vraiment, vraiment une surprise. Je vous en dirai des nouvelles. Oui, voilà. Ça, c'est pour un cadeau pour la Saint-Valentin qu'on vous fait. C'est ça. OK, on commence par Cathy Jordan. Bonjour Cathy. Elle dit, je souhaiterais savoir comment peut-on s'y prendre pour peindre une rue ou un autre paysage avec des ombres et lumières alors que la photo modèle était faite sans soleil. Alors ça, c'est très difficile. En fait, vous savez, on peint toujours mieux lorsqu'on a notre modèle et qu'on reproduit ce qu'on voit comme on le voit, du moins surtout pour la position des ombres et des lumières, leur force, leur intensité, les couleurs, tout ça. Là, il va falloir un petit peu inventer, interpréter. C'est ça un petit peu le problème. Donc, il va falloir créer des lumières, créer des ombres. C'est pas infaisable, au contraire, même c'est très faisable. Et puis, c'est un très bon exercice pour justement vous familiariser avec les ombres et lumières. Mais il faut qu'il y ait toujours de la cohérence dans la direction, la proportion des ombres et des lumières aussi. Il ne faut pas juste faire attention où est l'ombre, où est la lumière, mais le propre de l'objet. Porté. L'ombre portée, c'est ça. Il y a les ombres propres et aussi les ombres projetées. Donc, ça peut devenir très difficile, très compliqué. Moi, je vous dirais, peut-être essayer de trouver une autre photo, où il y aurait de la lumière à ce moment-là. Admettons, si vous avez fait la photo d'un endroit spécifique, vous pourriez peut-être trouver dans Internet une autre photo à peu près le même endroit ou complètement différent, mais où vous allez avoir des ombres et lumières cohérentes et les transposer dans votre photo à vous. C'est un petit peu compliqué à réaliser, puis... Buenos días. Il faut avoir quand même des bonnes connaissances dans les ombres et lumières pour l'appliquer. C'est vraiment pas facile. Ça dépend de votre niveau. Si vous êtes débutant, ça peut être très difficile. Si vous êtes plus expérimenté, ça peut être très facile. C'est pas mal tout ce que je peux dire là-dessus, parce que, en fait... l'idéal, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander, si vous êtes dans notre formation, si vous avez acheté des cours, vous pouvez demander l'aide de Jean-Antoine. Hein, vous faites une demande de correction, même si vous n'avez pas commencé le tableau, vous lui envoyez la photo de votre modèle et vous lui demandez, d'après cette photo
sans soleil, sans ombre et lumière, où est-ce que je pourrais placer les ombres et les lumières? Puis lui, il pourrait vous le montrer. Il pourrait vous faire voir, et puis à ce moment-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire aussi un petit schéma rapide sur papier, crayon papier. Vous faites très schématisé, hein, et vous placez vos ombres et lumières et voyez s'il y a de la cohérence. Sinon, vous pouvez apporter vos corrections sur le papier avant de le faire sur le tableau aussi. Ça, ça peut être aussi une solution. Mm-hmm. Puis surtout, Jean-Antoine, il est très bon. Oui, oui, oui. OK, on continue avec Nanou Julien. Bonjour, Nanou. J'ai une petite question. Petite, petite, petite. Piquito. Piquito. Hey, en passant, regardez nos chandails. Il y a un cœur pour la Saint-Valentin. Oui, oui. I love Mérida. Mérida, c'est la capitale du Yucatan, qui est à une demi-heure de route d'ici. Ouais, ici, ça, on est à Chelem. C'est une demoiselle. Hein? Et ça, c'est un monsieur. Il est un monsieur. Un monsieur. Il est bombé. Il est bombé. Il est bombé, le monsieur. Ah ben, moi, je suis bombé d'en haut. OK. Sa question. J'ai des tableaux peints à l'huile traditionnelle que je n'ai pas pris le temps de protéger. Oui. Dû à l'arrivée des enfants. Ça, je vous comprends. Ah, les enfants. Hey! OK. Le dernier a été peint en 2009. Est-ce que c'est trop tard pour les protéger? Puis avec quoi les protéger éventuellement? Non, c'est pas trop tard pour le protéger. Cependant, il faut voir s'il n'y aurait pas, depuis 2009, est-ce que ce tableau-là, il a été sali? Est-ce qu'il y a eu de la poussière, de la fumée, des gras de cuisine? Ça dépend où il a été placé. C'est sûr qu'il vaut mieux le nettoyer avant s'il y a besoin de nettoyer. Sinon, vous pouvez le vernir, oui, absolument, il n'y a aucun problème. Donc, avec un vernis final, satiné, brillant, mat, vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez le vernir. Il n'y a pas de problème, non. OK. On continue avec Marie Clédard. Bonjour, Marie. Il y a une question. Oui. Car je crois que je n'ai pas tout à fait compris à propos de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Oui. J'ai un mélange de tubes d'huile traditionnelle et celle diluable à l'eau. Comment faire pour les utiliser en même temps ou est-ce que ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Vous pouvez utiliser vos peintures diluables à l'eau avec des peintures à l'huile normale, à condition d'ajouter à cette peinture normale du médium W de Schmink. Vous achetez un tube de médium W, la lettre W, de Schmink, S-C-H-I-M-C-K-E, Schmink. C'est un médium qui est fait exprès pour rendre la peinture à l'huile normale, pour la rendre soluble à l'eau. Alors vous respectez le dosage parce qu'il y a un minimum à mettre de ce médium dans la peinture pour qu'elle devienne soluble à l'eau. Et là, vous allez pouvoir utiliser les deux. C'est pas merveilleux, ça? Oh, excuse-moi. C'est endormi, j'ai parlé trop longtemps? Non, c'est les vagues. Ah, le bruit des vagues. Saviez-vous que le soir, là, on entend ça et c'est relax? Mais notre chambre, elle est là, derrière la caméra, juste ici, là. Là, puis, à combien... On se laisse aller par les vagues. 30 mètres. Par les vagues. Je pense que quand on va être revenu au Canada, ça va nous manquer, ça. Ah oui, on va mettre une vidéo. Mais non, on va la faire, la vidéo, puis on la met à la maison. On la met sur notre grand écran dans notre chambre, puis on va s'endormir là-dessus. OK, on continue avec Diane Manger. Bonjour, bonjour Diane. Diane. Elle a une question, elle aussi. Oui. Si on veut peindre à l'acrylique sur des grands formats, mais pour la vente, que proposes-tu comme marque? Existe-t-il des pots avec des quantités plus intéressantes niveau qualité? Prix, s'il te plaît. Oh, ça, c'est un petit peu difficile comme question. C'est un petit peu aussi personnel. Ça dépend du prix que vous voulez mettre, de la qualité que vous voulez obtenir. Parce que, vous savez, des pots, des gros pots, des gros, même énormes, là, de peinture acrylique PBO, c'est excellent, c'est vraiment bon. Comme peinture, si vous voulez faire des très grands formats, maintenant, meilleur que ça, vous avez la Golden en pot aussi, qui est encore meilleure, sauf que peut-être le prix va être 3-4 fois celui de la PBO. Vous voyez, donc, ça dépend du prix que vous voulez mettre, mais c'est sûr que moi, personnellement, sur un très grand format, je vais utiliser plutôt les gros pots de PBO. Vous voyez, vous voyez. Cependant, si à un moment donné, après, quand j'ai fait mes deux couches, je me dis, bon, ben là, cet endroit-là, je voudrais mettre un accent. Mettons, mon blanc, il n'a pas été assez blanc, assez contrasté. Ben là, je vais peut-être prendre un pot de blanc golden, plus petit à ce moment-là, et finir mon tableau avec de la golden, qui est de meilleure qualité, qui est plus opaque, qui est plus pigmentée, donc plus forte au niveau de la force des couleurs. Et ça peut être des accents ici et là. On pourrait même le faire avec du tube, ça suffirait peut-être, plutôt que d'acheter les pots.
Mais oui, j'irai plus avec des pots comme ça, PBO. N'allez pas dans le Liquitex Basic, ça c'est certain, c'est pas bon, c'est trop transparent, vous allez vous embêter avec. Quand je dis ça, il y en a qui me disent « Ah non, moi je peins avec la Basic, j'aime ça parce que c'est transparent. » Oui, si vous voulez la transparence, oui. Mais si on veut de l'opacité, non, pas la Basic. Non. On continue avec Nadine Mayette. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour René et Linda. Ça me réconforte de vous voir si heureux HLM. Ah oui, bon. Mais que ça soit HLM, n'importe où. On est heureux on partout. On est toujours heureux. C'est sûr qu'à un moment donné... Mais on est moins malheureux ici. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle dit qu'elle a un petit peu... Elle a mal à ses os à cause de la gelée blanche. Je vous comprends. Il fait froid, oui. Oui, moi aussi, quand je suis au Canada, c'est la même chose. Je fais de l'arthrose et puis de l'arthrite rhumatoïde. Fait que j'ai mal quand il fait froid. Puis tout. Ici, je suis tellement bien. Là. Venez avec nous, Nadine. OK. Elle dit, je voulais demander à René, vu les prix actuels, il m'arrive souvent de peindre le contour du tableau. Comment procéder pour faire un travail parfait? Il y a toujours ce petit arrondi avant la surface plate. Je prends un petit rouleau et une peinture mat noire. Il y a un tout petit pinceau plat pour l'arrondi. On me dit que maintenant, on peut continuer chaque partie de la toile de la couleur employée. Que faire? Ah oh oui, elle veut continuer, oui. C'est vrai, peindre les contours d'une toile en noir, c'est embêtant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un angle droit, c'est un arrondi. Oui. C'est toujours difficile. Puis, ce n'est pas maintenant, ça a toujours été que les gens poursuivent le sujet sur les côtés de la toile aussi. Vous pouvez très bien continuer votre ciel sur le côté. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est bien surtout aussi sur des toiles galeries. Ouais. Cependant, c'est vrai que si vous avez, admettons, un paysage, une maison, vous avez une maison là, et vous voyez que le bord de la maison, il tourne, et puis le toit, il tourne aussi, et puis ça ne suit plus la perspective, ça fait un peu bizarre, hein, des fois. Alors, si c'est un champ avec des coquelicots, ça marche, mais certaines structures, ça ne fait pas bien. Donc, moi, personnellement, je préfère peindre les contours en noir, effectivement, aussi. Je peux donner... Couleur. Oui, je peux donner comment est-ce qu'on fait. Ben, vous avez votre tableau. Puis pour pas... Oh non, on peut pas faire ça. On peut mettre du tape. On mettait pas du tape pour non, pas... On le faisait pas, non. On mettait pas du tape. Mais moi, ce que je fais, je prends un pinceau très gros, très grand, en langue de... pas une langue de chat, mais en soie de porc, là. Oui. Très gros. Et je vais peindre... Je prends ma peinture noire, pas en trop grosse quantité, faut pas que ça bave. Et je vais tenir mon pinceau, si vous voulez, de l'arrière du tableau vers l'avant. Vous voyez, donc mon manche est en arrière du tableau et non pas devant. Et je vais frotter de gauche à droite sur le dessus du bord de la toile. Je ne vais pas dans un autre sens, juste comme ça. Et à un moment donné, ben, ça va déposer. Vu que c'est très droit et je tiens mon pinceau très à plat, si je l'incline, hop, ça va venir sur l'arrondi. Non, il faut que ce soit bien à plat. Et ça va placer notre ligne très droite et toujours au même niveau par rapport à l'arrondi. Donc si vous voulez, l'arrondi... quand vous faites votre tableau, peignez bien jusque sur les bords, sur les arrondis. Remplissez-les, les arrondis. Hein? Puisqu'après, avec le noir, vous allez pouvoir faire une belle ligne droite, vraiment, de cette manière-là, qui ne va pas venir sur l'arrondi. Là, vous allez avoir votre paysage dessus, voyez. Ça, c'est une solution. Maintenant, l'autre solution, c'est de prendre du ruban à masquer, de le poser sur votre peinture quand elle est bien sèche, vraiment bien droite, un côté à la fois, et là, vous pouvez peindre. Ou avant... Si, avant de peindre son tableau, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non. Si tu fais les côtés avant, et tu vas peindre ton tableau, tu vas déborder dessus. Tu vas salir. Oui, c'est vrai. À moins que, vous peignez les côtés d'abord, oui. Vous allez bien sur les arrondis, tant pis pour le tableau, c'est pas grave. Et une fois que c'est bien sec, vos côtés, vous appliquez du ruban à masquer sur tous vos côtés pour le protéger, et là, vous faites de votre tableau. Quand le tableau est fini, vous retirez le ruban à masquer, et là, vous allez avoir des belles lignes. Il y a toujours des moyens. Et n'oubliez pas que si vous peignez comme ça, c'est mieux l'acrylique à ce moment-là pour les côtés. Mais le ruban à masquer, souvent la peinture va passer en dessous. Hein. Donc avant de peindre le noir, si vous voulez, passez une couche de médium acrylique transparent qui va venir sceller toutes vos pores. Ça va les boucher. Et dès que c'est sec, vous appliquez votre noir. Et là, au moins, quand vous allez retirer votre ruban à masquer, vous allez avoir une ligne droite parfaite, clean, vraiment très propre et très nette. Tu l'as pas ça dans la formation? Non, je l'ai sûrement dans la formation, mais aussi dans YouTube. J'ai mis une vidéo dans YouTube, comment faire des lignes nettes en peinture, comment faire des tracés nets en peinture. Et je l'ai mis pour
Okay. Le faire comme ça, je pense, en peinture acrylique et peut-être en peinture à l'huile aussi, me semble. OK, on va continuer avec Christian Vattard. Bonjour Christian. J'avais posé une question en deux samedis derniers. Ah. Merci de la reposer, puis excusez-moi de l'avoir oublié. C'est sa faute. Hey! c'est de ma faute, puis c'est sa faute qui me donne trop de travail. OK, sur une toile acrylique ancienne que je veux réutiliser, puis-je simplement remettre du vernis à retoucher dessus, ou dois-je poncer ou mettre du gesso? Bon, le vernis à retoucher, c'est bien pour reprendre un travail sur une toile à l'huile pour lui permettre de mieux adhérer. Il peint à l'huile. Oui, mais sur une toile acrylique. Ah oui, c'est vrai. Donc, vu que la toile a été peinte en acrylique, normalement, on peut y aller avec l'huile directement dessus. Mais est-ce que cette acrylique-là est vieille, pas vieille, très lisse, pas lisse? Moi, personnellement, si je reprends une toile acrylique avec de l'huile par-dessus, que c'est une vieille acrylique, que je ne veux pas continuer le même sujet, mais je veux vraiment l'effacer, je vais poncer quand même pour aller chercher un petit peu le grain de la toile par-ci, par-là. Alors, on ne ponce pas complètement, on ponce un petit peu là pour rendre la toile moins lisse avec un papier de verre assez grossier pour s'assurer d'une bonne adhérence. C'est tout, c'est juste ça. Pas besoin de travailler plus que ça. Vous pouvez poncer, appliquer du gesso. N'oubliez pas, le gesso, c'est aussi de l'acrylique. Et il va améliorer l'adhérence. Alors, plutôt que du vernis à retoucher, vous voyez, par-dessus de l'acrylique, je mettrais plutôt du gesso. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir partir à l'huile par-dessus sans aucun problème. Oui, puis il demande aussi, qu'en est-il pour une peinture à l'huile ancienne? Est-ce que le vernis à retoucher suffit ou faut-il penser aussi? Si c'est une ancienne peinture à l'huile, je dirais oui, le vernis à retoucher suffit à condition que cette peinture soit propre. Parce que si vous avez eu de la fumée, des graisses ou autre, ça peut générer un problème d'adhérence de votre nouvelle peinture. Donc, il vaudrait mieux soit laver, nettoyer vraiment la peinture comme il faut, au savon, à l'eau, et puis... Après, vous avez une surface propre, vous allez mettre le vernis à retoucher et vos peintures à l'huile par-dessus. OK. On continue avec Asiba. Bonjour Asiba. Bonjour Asiba. J'adore vos vidéos ainsi que les articles et je vous adore. Merci beaucoup Asiba. Merci. Je voudrais juste, et si cela est possible, de vous demander une chose. J'ai vu une vidéo où vous avez bien expliqué les valeurs et je voudrais, si vous pouvez expliquer comment vous avez choisi après les couleurs. Ou si cela est possible de peindre le tableau une deuxième fois pour nous. Merci à vous deux. Là, m'a mis un lien pour... Oui, ben, je suis allé voir. OK. Alors, c'est quand on était en Bretagne, sur la plage, j'avais fait un sketch d'un paysage. Donc, sur un carnet, je dessinais le paysage grossièrement, schématiquement. Et le but, c'était d'appliquer les bonnes valeurs et de les indiquer, par exemple, sur une échelle de grille de 0 à 10. Je disais, bon, mais ça, c'est du 5, ça, c'est du 6, ça, c'est du 4,5. Et je disais après, bon, mais pour m'aider, quand je vais faire mon tableau à la maison, j'ai ma photo. Mais vous savez, la photo ne représente pas les vraies valeurs, surtout qu'il y avait beaucoup de contre-jours, tout ça. Quand vous avez un contre-jour, faites une photo, là. Hey, ce qui est un contre-jour est trop noir par rapport à la vraie vie, là, on a le soleil ici. Je vois les feuillages ici, ils sont verts, ils sont beaux. Si je prends une photo, ça va être noir. Hein? Donc, on n'a pas les vraies valeurs. Alors là, avec un carnet, je fais mon schéma. Je dis, bon, mais ça, c'est du 4, ça, c'est du 6, etc. Et j'ai marqué aussi les couleurs, comme par exemple ce vert ici. Bon, ben, c'est du bleu phtalo, avec un tout petit peu de bleu phtalo, pas mal de jaune, une petite touche de rouge, etc. J'avais marqué mes couleurs comme ça. C'était ça, cette vidéo-là. Et donc, là, Asiba me demande si je pouvais faire le tableau. Effectivement, je pourrais, à partir de cette vidéo-là, reprendre toutes les informations que j'ai mises, la photo que j'avais prise, et je pourrais faire le tableau, effectivement. Alors, plutôt que de faire ça, j'ai pensé, parce que j'ai vu ça, je pourrais tout refaire au complet, l'opération, dans une autre vidéo pour YouTube. Je pourrais, par exemple... Ça pourrait être ici, je prends mon calepin, je fais mon schéma, je prends mes références, tout ça, sur la caméra, je vous montre ça. Et après, je vous montre la suite à la maison, quand je ferai le tableau, avec la photo de référence et les indications qui ont été prises sur le carnet. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo entière. Je vais en parler à mon équipe. Ah oui. On n'est plus tout seul maintenant, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Là, tu sais. Eh non. OK, on continue avec Patricia Elia. Bonjour Patricia. Petite question. Je peins un tableau en acrylique et j'aimerais mettre des effets avec des pastels à l'huile. Pourriez-vous me dire si je pourrais vernir mon tableau? OK. C'est difficile parce que, bon, vous avez de l'acrylique
Vous pouvez vernir votre tableau avec un vernis acrylique. Là, il n'y a pas de problème. Vous mettez du pastel à l'huile dessus. Là, ça vous prendrait un vernis pour la peinture à l'huile. Bien que le pastel à l'huile, on n'est pas obligé de le vernir. C'est quand même un médium qui colle bien. Mais le pastel à l'huile, vous savez que ça ne sèche pas. Il n'y a pas vraiment de séchage. Donc, je pense que le mieux, c'est de ne pas vernir du tout. Non, parce que moi, j'ai peur que l'applique, ça peut s'étendre. Vous savez, moi, j'ai fait ça. J'ai fait un tableau en acrylique et j'ai appliqué quelques rayons au pastel à l'huile, justement. Eh bien, mon tableau, j'ai fait ça, mon Dieu, peut-être en 2001, 2002, je ne sais pas, en tout cas. Et je l'ai toujours, il est intact. Hein. C'est celui que j'avais présenté à Chambly, qui avait gagné le premier prix. Ça ne bougera pas. Vous n'êtes pas obligé de le vernir du tout, du tout, du tout. Même, je pense que je ne le vernirai pas. Sinon, vous pouvez toujours appliquer un vernis final qui fait pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, la peinture alkyde. Vous avez, ça existe, vous voyez, sur l'aérosol, c'est marqué les médiums pour lesquels on peut l'utiliser. Puis, il n'y aurait pas de problème, là. Je ne pense pas. On continue avec Maria Rez Talbot. Bonjour Maria. Elle, c'est sur la vidéo comment dessiner sur la toile. Je ne sais pas si ça rappelle. En tout cas. Je vais voir avec la question, des fois ça m'en revient. Pouvez-vous m'expliquer comment reporter ou rajouter ou superposer un sujet sur une toile déjà entièrement peinte à l'huile? OK. Vous avez fini votre tableau à l'huile, admettons, et terminé, et vous voulez rajouter quelque chose dessus. Le danger, c'est qu'on ait l'impression que ce que vous avez rajouté ne fait pas partie du tableau, ils sont vraiment collés là. Donc, peu importe le sujet, le tableau, que ce soit de l'huile ou de l'acrylique, lorsqu'on revient rajouter quelque chose par-dessus, il faut que ça se marie avec le reste du tableau. Donc, il faut plutôt retravailler, repenser comme si je n'avais pas fini mon tableau dans son ensemble. Donc, je mets mon sujet, puis en même temps, il faut que je retouche à droite, à gauche. Des couleurs de ce sujet que je viens de mettre là, il faut qu'il y en ait aussi là et là. Il faut qu'il y ait un lien, que les bords ne soient pas complètement nets tout le temps, qu'on ait des fondus entre votre sujet et le reste du tableau. Donc, il faut savamment réussir à intégrer ce nouvel élément dans votre tableau pour qu'on ait l'impression qu'il est là depuis le début, qu'il a été fait avec le reste. C'est vraiment ça. Et donc, faites-le. Puis après, vous laissez votre tableau quelque part, là, vous ne le regardez pas pendant 3-4 jours. Puis là, vous le ressortez, vous le mettez devant vous, puis vous passez des fois devant. Si ça ne vous choque pas, si vous n'avez pas l'impression que cet élément rajouté vous saute aux yeux, ça va, ça marche. Vous pouvez aussi demander l'avis à quelqu'un qui n'a pas vu le tableau, qui ne le connaît pas, qui va le voir pour la première fois. Vous lui demandez, ben, qu'est-ce que tu en penses, mon tableau, là? Comment tu le trouves? Si la personne dit rien, ça va. Si elle dit, il me semble que ça, ça sort du tableau, on dirait que ça a été rajouté par après. Ben là, vous avez manqué votre coup, vous voyez. Il faut retravailler. Mais c'est très faisable, oui, mais comme je vous dis, il faut le faire savamment. Savamment, ça se dit bien, ça? Savamment. Savamment. C'est quoi, ça? Ben, savamment, de manière savante. Ah oui, OK. Tu m'en apprends. OK, on continue avec Robert. Ben, bonjour, bonjour, Robert. Bonjour, Robert. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bob. Oui, Bob. J'aimerais savoir à quand vos prochains webinaires, car ils sont tellement intéressants à regarder avec Linda et vous. Ah merci. Oui, le prochain webinaire. Alors, ben, on va travailler dessus bientôt. Vous savez, là, il y a le spécial Saint-Valentin pour le mois de février. Au mois de mars, on a pensé, donc on va faire sûrement un lancement d'un nouveau cours. Surprise. Et ça serait au mois d'avril. Prochain webinaire, au mois d'avril, on va préparer ça bientôt. Oui. Okay. Oui, 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 on va le faire. Puis effectivement, vous savez, dans les webinaires, on est limité à 2500 participants, puis vous êtes toujours 4000 inscrits, il y a toujours une liste d'attente, tout ça. Là, on a réussi, je pense, à changer le système que... parce qu'admettons, vous étiez 4000 inscrits, donc 2500, donc 1500 sur la liste d'attente. Vous étiez comme annoncé sur liste d'attente et frustré de ne pas pouvoir voir le webinaire. Puis finalement, sur les 2500 inscrits qui pouvaient y être, il n'y en avait que 1500 participants. Donc, ça faisait comme 1000 places de libre. Là, on a trouvé le moyen. Je pense qu'on supprime la liste d'attente. Elle n'existe plus. C'est le premier... les 2500 premiers connectés qui vont pouvoir participer.
Donc, on a réussi à trouver le moyen de détourner la liste d'attente. Je pense que ça va être mieux. Vous allez être plus nombreux. Comme ça, Linda va avoir beaucoup plus de travail. Et en plus, on va faire ça d'ici. J'ai qu'un écran. Oui, oui, oui. Non, mois d'avril, non, on sera à Manzanillo. Oui, mais j'aurai quand même un écran. Ah, oh, même non, peut-être on va prendre... Des fois, on peut utiliser une télévision aussi. Et mon Dieu, ça va être gros. Comme deuxième écran. On pourrait essayer une télévision sur pied, là. On pourrait se débrouiller. On va voir ça, oui. OK. On a une question de Anne. Bonjour, Anne. Bonjour, Anne. Est-ce que sur les cours de peinture, comment peindre des ombres facilement et rapidement dans vos tableaux? Elle dit... Bonjour, M. Milon, et merci pour vos différentes vidéos très intéressantes et détaillées. Cependant, dans cette vidéo sur les ombres, la jupe jaune ou rouge à godet, puisque vous avez commencé à poser une ombre sur le cru du premier godet avec le glacis, vous devriez avoir à poser cette même ombre dans le cru du godet suivant. Mais vous avez placé certaines ombres dans le cru et d'autres sur la partie bombée, ce qui donne un rendu incohérent. Merci de bien vouloir en tenir compte et éventuellement modifier votre application de glacis pour que les ombres soient en harmonie les unes par rapport aux autres. Bon, je vois. Vous savez, cette vidéo dans YouTube qu'on a mise il y a très longtemps, où j'ai fait une robe à petits motifs, une jupe à petits motifs, jupe jaune, motif rouge. Et le but, c'était de vous expliquer comment faire des ombres facilement lorsque vous avez beaucoup de motifs. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est très complexe au niveau du tissu. Et si vous deviez faire les ombres comme on les fait directement, normalement, il vous faudrait le motif rouge dans la lumière dans l'ombre, les couleurs du motif rouge dans la lumière dans l'ombre, les couleurs de la jupe jaune dans la lumière dans l'ombre, les couleurs du motif bleu dans l'ombre et dans la lumière, les couleurs, on ne s'en sort plus. Et puis, il faut tout placer comme il faut. Ça fait quelque chose qui est très difficile, d'abord, à réaliser, puis qui va manquer un petit peu de cohérence. Ça va être c'est très ardu. Et j'avais dit, à ce moment-là, pour faciliter le travail, on fait la robe comme c'était tout dans la lumière, au complet, ou neutre, on va dire, ni dans l'ombre ni dans la lumière. On fait le jaune-jaune, les rouges-rouges, les bleus-bleus, les verts-verts, tous les mêmes couleurs. Et ensuite de ça, avec un glacis foncé, on va représenter les ombres. On passe sur un glacis lorsque c'est sec, on passe un glacis foncé sur les ombres et un peu de blanc de zinc, par exemple, sur les lumières. Et comme ça, on obtient les ombres et les lumières en une seule fois, rapidement, sans avoir à passer des heures et avoir un mauvais résultat. Voilà. Et donc, Anne me dit que des endroits, je n'ai pas mis les ombres aux bons endroits, parce que c'est un creux, je mets une ombre, c'est une bosse, je mets une lumière. Un creux, une ombre, une bosse, une lumière. Non, pas toujours. Parce que là, elle me dit que je n'ai pas bien fait ça, et il faudrait que je revienne sur le tableau, je ne l'ai plus le tableau, hein, et que je corrige, fasse une vidéo avec mes corrections pour le faire comme elle le veut, Anne. Non, c'est pas obligé, parce que ombre-lumière, si je fais toujours comme ça, régulier, ça veut dire que la robe est plate, elle n'est pas bombée, elle n'a pas de forme. Ça veut dire que le bombé d'une lumière dans la lumière ne fera pas une ombre portée sur un autre bombé. Ça se peut pas. C'est incohérent. Sinon, ma robe va être plate. Donc, il fallait qu'il y ait des endroits où c'est creux. C'est ombre, bosse, lumière, creux, ombre, bosse, lumière, mais avec l'ombre de l'autre bosse. Ah, hein? Creux, ombre, bosse. Ah, elle est toute dans l'ombre à la bosse parce qu'elle a l'ombre portée de la première et de la deuxième. Voilà. Et là, je vais avoir un bombé parce qu'on a un côté dans la lumière, un côté dans l'ombre. Vous voyez? Donc, non. La cohérence n'est pas de toujours faire pareil. Attention. C'est sûr que ce n'était pas fait d'après une photo, c'était inventé. Mais quand même, il faut voir. Ben là, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne suis même pas allé revoir la vidéo pour vérifier. Mais le principe était de vous montrer la technique pour le faire. Le principe n'était pas de vous montrer que mes ombres et lumières à moi étaient parfaitement cohérents. Cohérentes. Voilà. C'est bien. C'est ça ma réponse. OK, on continue. Allez, soyez un petit peu indulgents aussi, là, écoutez, là. Je ne suis ni Monet, ni Renoir. Quoique, eux aussi, ils ont fait des erreurs. Ben oui. Ils ont fait des erreurs. D'ailleurs, je pense que dans une vidéo courte
Dans une vidéo courte, j'ai montré des erreurs de Cézanne. Bon, c'est peut-être pas des erreurs, c'est volontaire peut-être, mais je vais faire bientôt une autre vidéo courte, un short, dans laquelle je vais vous montrer une erreur de Claude Monet. Et j'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai réussi à en trouver une. Mais ouais, est-ce que c'était vraiment une erreur? Vous savez, des fois, les erreurs sont volontaires aussi, hein. OK, on continue avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Un beau nom comme ma maman. Oui. Qui est là. OK, elle dit, dans votre formation en ligne, est-ce que les cours nous appartiennent à vie quand on s'abonne? Alors, êtes abonné, non. Les achats, lorsque vous achetez un cours, comme là, on va faire la spéciale Saint-Valentin, vous achetez le cours, il va être à vous à vie, vous avez accès tout le temps. Et vous profitez aussi des 30 jours, de la garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. Vous avez 30 jours, vous dites, oh, ça ne me plaît pas, hop, on se fait rembourser, il n'y a pas de problème. Les abonnements, ce sont des abonnements comme Netflix. Alors là, vous n'avez pas accès à 30, 40 ou 50 heures de vidéo, vous avez accès à... Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le point. Je ne sais pas combien de 600, 700 heures de vidéo, j'en sais rien, je ne sais plus. Parce qu'il y en a tout le temps qui se rajoutent. Oui, ben c'est ça, c'est comme Netflix, on en rajoute tout le temps. Sauf que Netflix, ils en enlèvent aussi. Mais nous, on n'en enlève pas. Non. Elle reste tout le temps. Donc, c'est une formation qui grossit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez toujours... Donc, si vous êtes abonné, même si vous avez tout vu ce qu'il y avait, tout le contenu... Et d'ailleurs, on a des abonnés qui restent fidèles depuis le début de la formation, donc depuis 4 ans, je pense. Mm-hmm. Et ils ont toujours de la nouveauté qui se rajoute. Donc, ils peuvent profiter des nouveaux cours. Il y en a un par semaine. Ou sinon, revenir sur d'anciens cours qu'ils ont regardés, puis... pour se remémorer, oui, tu sais, c'est oui, bien ça. Oui, bien sûr, de toute façon, il y a tellement d'heures de cours, ça fait trop d'heures de travail, de peinture, pour tout peindre dans une vie. Non, ça c'est pense. Sûr. Quoique, moi je l'ai fait, hein, bon. Mais si vous êtes abonné, c'est comme un abonnement, vous arrêtez l'abonnement, vous n'avez plus accès aux cours. Alors, vous pouvez arrêter, suspendre pour un mois, deux mois, trois mois et revenir après. Comme ça, en suspendant votre abonnement, vous gardez vos données si vous avez fait une demande de correction ou si vous avez pris des notes, parce qu'on peut prendre des notes dans la formation. Votre historique de ce que vous avez vu, tout reste là. Maintenant, si vous désabonnez complètement, vous annulez votre abonnement et qu'un an après, vous dites « Ah, ben, j'ai aimé ça, je veux y revenir », vous allez revenir, mais votre compte a été supprimé, vous n'aurez plus votre historique. Et peut-être même que d'ici là, des fois, on augmente un petit peu le tarif aussi. Ça, c'est arrivé parce qu'on a commencé, vous savez, c'était très, très bas. Après ça... C'est comme un lancement. C'était là. Un lancement. Puis après, on a mis comme un tarif normal. Il était en dollars canadiens. Après ça, on a comme gardé le même tarif, mais on l'a mis en euros parce que la plupart de notre clientèle est en euros. Puis ça grossit tellement la formation qu'on a, augmenté tellement le nombre de cours. Eh bien qu'on a aussi un petit peu augmenté le prix en le passant à l'euro, en gardant le même tarif. On continue avec Joanne. Bonjour Joanne. Combien ça te coûte pour réaliser un tableau? Combien ça me coûte pour réaliser un tableau? Ben, vous savez, j'ai des grands tableaux, j'en ai des moyens, puis j'en ai des plus petits. Donc ça va dépendre de la taille du tableau, ça va dépendre est-ce que je le fais à l'huile ou à l'acrylique. Est-ce que c'est un tableau que je peins, admettons, très rapidement, une abstrait ou autre, où je vais utiliser justement les gros pots de PBO, ou c'est un tableau plus fin, plus précis, où je vais utiliser mes petits tubes de golden. Vous savez, c'est... En fait, je n'ai jamais compté. Je ne compte pas, parce que quand on aime, on ne compte pas. Peut-être avant, je compte. C'est bien. Il m'aime tellement qu'il ne compte plus qu'est-ce que je dépense. Oh. Heureusement, je ne compte pas, parce que là, je ferai une crise cardiaque. Ah, non. Non, mais c'est ça, je ne pourrais pas vous le dire combien ça coûte. Hein. Vous savez, j'achète du matériel d'artistes la plupart du temps bon, sur Internet. Puis en gros, parfois? Des fois, je me déplace, je vais chez H&M, je vais chez Dessert. Quand on était en France, on allait chez au Jean des Beaux-Arts ou ailleurs. Je ne me rappelle plus, tu sais, on en a fait. Ça dépend où je me trouve, tu sais, comme ici, là, au Mexique. Là, pour l'instant, je travaille qu'avec du matériel qu'on a apporté, sauf les diluants, parce qu'on ne peut pas voyager avec. Fait que j'ai acheté ici un magasin à Mérida de matériel d'artiste, un magasin à succursale. Hein. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'était un magasin vraiment bien achalandé. Il y avait tout.
Ah oui, celui qu'on a été dernièrement. Oui, c'est oui, mieux oui, qu'à Playa del Carmen, oui, au magasin. Il est peut-être très achalandé aussi, mais on ne voit pas le matériel, il est caché derrière. Ouais, là, ouais, tout est sous nos yeux. Puis le monsieur, il fabriquait ses toiles lui-même. C'était, je ne m'appelle plus, ce magasin à succursale, le matériel d'artiste en Mérida, vraiment bien. Voilà, donc là, ben, on, c'est très variable le coût. C'est le comme une recette d'un gâteau. Vous ne pouvez pas prendre comment ça me coûte pour faire un gâteau? Oui, on pourrait, ben oui, mais ça, c'est du travail déjà. C'est juste beaucoup de travail. Calculer combien ça revient, c'est un travail qui coûte du temps. Oui, c'est surtout le temps, oui. Et le comment temps, ça te coûte un tableau, mais avec ton le temps. Le temps, c'est ton de l'argent. Temps, c'est ça. Ben, okay. Quelle est ma valeur à l'heure? À l'heure? Je ne sais pas. Ça dépend de ce que je fais, hein? Mmh, oui. Si je fais la cuisine... Si je fais la cuisine, si je fais la peinture, c'est pas le même prix. Puis la vaisselle. La vaisselle. C'est rare. OK, on finit avec James. Bonjour, James. Bonjour, James. J'aurais besoin de renseignements. J'ai un tableau de Stanley. Tu oui, connais Stanley? Non, pas du tout, Stanley. Il y a Stanley, oui. Moi, okay, je connais les outils Stanley. OK. Bon, j'ai un tableau de Stanley que ma mère m'a donné il y a plusieurs années. Elle avait acquis ce tableau de Marwan Chedid. Que je ne connais pas, Chedid. Chedid. Marwan Chedid. OK. Et j'aimerais le faire évaluer. Est-ce que vous pourriez me conseiller sur la manière de procéder? Je demeure au Québec. Pour faire évaluer un tableau, le mieux, ben, c'est de contacter un évaluateur. Ça existe. Je sais qu'à Saint-Lambert, il y a du temps où je m'intéressais à ces choses-là, à Saint-Lambert, il y a le balcon d'art, une galerie d'art, qui ont un évaluateur aussi, justement, un expert là-dedans. Donc, vous pouvez essayer de contacter le balcon d'art à Saint-Lambert. Mm-hmm. Et eux, ils vont vous donner peut-être une référence pour une évaluation. Peut-être ils vont vous dire, venez avec le tableau, puis on va regarder s'ils connaissent donc Stanley, s'ils connaissent tout ça, là. Ouais, maintenant, Stanley, ça me dit quelque chose. Il y a quelque chose qui revient un petit peu. Stanley, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faisait partie du groupe des sept? Je ne sais pas. En tout cas, sûrement, si James pose la question, c'est que ça a certainement de la valeur. C'est un tableau de oui, valeur. Oui, parce qu'il m'a dit, en dernier, excuse-moi, il dit que c'est probablement une de ses premières œuvres. Excusez. Ah, excusez. Car pour combler l'espoir, je vais recommencer. Tu aurais dû prendre à boire. Oui, parce qu'il dit que c'est probablement une de ses premières œuvres. Car pour combler l'espace vide de l'accondrement, ce sont de vieux journaux. Ah, ouais, c'est ça. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Ben, il suffirait de regarder les journaux. C'est quoi la date? C'est ça, j'y ai pensé. Ah oui. Fait que c'est fini. C'est fini pour les 14 questions. Vous voulez avoir votre petit cadeau? Est-ce que ah, vous oui, le méritez? Le petit spécial de la fin de la vidéo? Mais oui. Je alors, ça dure 7 minutes. Soyez patients. Si vous voulez le voir jusqu'à la fin. C'est ça. Mais à la fin, vous allez voir. Non, disons pas trop. À la fin, vous allez voir. Donc, c'est bon. Mais on vous souhaite une belle Saint-Valentin pour mardi. C'est mardi le 14. Oui. Mais l'amour, je le vous souhaite à chaque jour. Tout oui, le temps, à chaque jour, de l'amour, de la joie. L'amour des conjoints, l'amour des enfants, ben l'amour oui, des la parents. La Saint-Valentin, c'est immense, l'amour. Ben oui. L'amour, c'est pas seulement... C'est universel. Oui, ben oui. Mm. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour la mer. Alors, je pensais qu'elle était pour moi. Pour le soleil. Mm-hmm. Et il me le rend bien. Mm-hmm. Des fois, j'ai des coups de soleil. Mm-hmm. Et pour toi aussi, ben oui. Mais n'oubliez pas la vidéo de mercredi. Oui, vidéo de technique. Et on se retrouve donc samedi prochain. Ben, on sera après la Saint-Valentin. Ben oui. On sera dans le gros roche. Ah oh, oui. Merci, puis à bientôt. À bientôt. Bye-bye.